Bonjour et bienvenue pour ce quatrième cours consacré au bien-être, à la mode ainsi qu'au style vestimentaire. Donc passons à la première question. Les lunettes de soleil, est-ce qu'il faut les choisir noires ou bien en écaille? Donc le mieux c'est de les choisir en écaille. Donc j'ai créé écaille, mais bien entendu c'est façon écaille, car les véritables lunettes que portait John Fitzgerald Kennedy ainsi qu'Yves Saint Laurent étaient en écaille de tortue. Malheureusement, c'est une matière qui très rare et très chère, à cause notamment de l'interdiction de la chasse à la tortue. Donc malheureusement, des lunettes façon écaille sont un peu moins confortables que les vraies lunettes en écaille, mais ça fait rien. Et niveau esthétique, c'est tout aussi bien. Voilà. Donc la passe à billets est-elle recommandée? Donc, on vous en verrez beaucoup aux États-Unis, étant donné qu'ils ont plus de billets que de pièces de monnaie. Nous, en revanche, on a moins de billets que de pièces de monnaie, donc on n'en a pas vraiment l'utilité. Donc, c'est à vous de voir. Jusqu'où faut-il remonter ses manches de chemise? Donc, c'est à vous de trouver le bon compromis, mais la meilleure façon de remonter ses manches, c'est de les remonter juste au-dessus du coude, voilà, comme le montre la photo. Donc ni trop bas, ni trop haut. Le port d'un bandana est-il acceptable? Donc normalement non. Mais vous pouvez par exemple détourner son utilisation. Par exemple, l'utiliser comme. Enfin, vous pouvez transformer le bandana en pochette pour votre costume par exemple. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'une bug shoe? Donc la bug shoe, c'est tout simplement une chaussure américaine qui était à la base utilisée par les joueurs de baseball, puis empruntée par des officiers de l'US Navy. Donc elle a quelques particularités, cette chaussure. C'est notamment, en tout cas en premier, c'est sa semelle, qui est de couleur rouge brique, mais dont la matière est plus qu'intéressante car c'est une matière très légère. Ensuite, elle a une couleur aussi très intéressante car le chaussant est blanc ou beige. Donc c'est assez salissant, mais ça donne un petit côté, un petit charme à cette chaussure. Voilà, donc en revanche pour ceux qui salissent beaucoup leurs chaussures, il existe une version en daim bleu marine, comme vous pouvez voir sur la photo. Les gants de conduite sont-ils réservés aux chauffeurs? Donc les gants de conduite font partie des accessoires qui ne perdent pas de leur valeur quand vous les détournez. Par exemple, si vous utilisez des gants de conduite pour la vie de tous les jours alors que vous ne conduisez pas, ça fait rien. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile et j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.